Bonjour, je m'appelle Annie, je suis la maman de Lucie et j'en suis fort heureuse. Que mon fils veuille une chirurgie, ça a été vraiment un peu comme une bombe. Ça a été très très difficile. Forcément, moi j'ai toujours eu un garçon, j'étais heureuse de mes trois fils. Et il a fallu vraiment que je fasse un gros gros travail intellectuel pour accepter. Ah oui, j'ai changé d'avis. Parce que c'est vrai, je me posais beaucoup de questions, beaucoup de problèmes pour moi, il y avait beaucoup de problèmes techniques, etc. Et franchement, j'ai été rassurée. Oui, avant, j'étais vraiment presque opposée, on peut le dire. Et maintenant, je suis pour et j'engage les gens à le faire. Alors ce qui m'a rassurée le plus pour Facial Team, ce sont de voir les chirurgiens, comme j'ai dit. J'étais contente de les voir et de pouvoir discuter avec eux. Aussi la confiance qu'avait ma fille, Lucie, pour cette opération. Pour elle, c'était vraiment essentiel. Et j'étais rassurée, j'étais d'accord. Les soins qui ont été donnés à ma fille Lucie ont été vraiment formidables. Elle a été très surveillée tout le temps, le jour comme la nuit, puisque j'étais dans sa chambre, je l'ai accompagnée. Et vraiment, vraiment, on s'est très très bien occupé d'elle, vraiment. Alors j'aurais d'autres conseils pour les familles qui feraient comme moi, passer par l'expérience de Facial Time et de l'opération pour les transgenres. Je dirais que c'est très rassurant pour les parents, parce que moi j'ai pu rencontrer, comme j'ai accompagné Lucie ici en Espagne, j'ai pu rencontrer les deux chirurgiens, et j'ai vu vraiment le professionnalisme, j'ai vraiment vu, on a parlé des technologies nouvelles, que Lucie n'aurait pas de cicatrices, ça c'est très important, et que vraiment c'était très professionnel, et j'ai eu vraiment confiance.